guerre. Avec des larmes amères, j'ai tout perdu là-bas. Oui, mon espoir et ma foi, mon revenant de guerre. J'avais une tendre amie, c'était une jolie fille. En partant pour le feu, un autre en a fait son jeu. Oui, j'avais une tendre amie. Cette stupide guerre nous a bien séparés, et pendant qu'elle mourait, moi je faisais la guerre. Les gens font des mystères quand il s'agit de guerre. J'ai pleuré ma jeunesse, j'ai pleuré mon ivresse, mais je n'ai plus 20 ans et j'ai perdu mon temps. Non, je n'aime pas la guerre. Je n'aime pas la guerre. Depuis quelque temps, j'ai un sacré bidon. 75 kilos, c'est trop pour mes pantalons. J'suis sûr d'entrer au club des 100 kilos. Si je continue, je serai gros comme Fats Domino. Mon médecin m'a dit de rouler en vélo 30 km par jour et tous les matins très tôt. Avec un régime comme ça pendant 3 mois, j'aurais vite fait de perdre tout ce que j'ai de trop. Mes copains rigolaient, ils ne pensaient pas que j'étais décidé. Pour m'écrire à faire un peu de sport, c'est comme cela que dit Aznavour et il n'a pas tort. Et puis aussi, je dois vous avouer que ma belle voisine roule en vélo toute la journée. Je lui ai montré tout ce qu'en bas du vélo je pouvais lui enseigner. Depuis ce temps, on s'est aimé. Maintenant, on ne se quitte plus de toute la journée. Je crois bien qu'avant la fin de l'année, on s'en ira faire un tour en vélo chez le curé. C'est joué, j'ai gagné. J'ai beaucoup maigri, je l'ai beaucoup aimé. À cette allure, je vous le dis, j'ai perdu 10 kilos de plus qu'on m'avait prédit. Pourtant jamais je n'aurais pensé que grâce à ce vélo j'ai pu la rencontrer.